Voilà, là on est au boulot. Si. Voilà. Et bon, voilà. Ping. Allez, c'est, je suis prêt. Hop, allez. Merci, merci. Merci, vous êtes gentil, merci. Merci, merci. Non, parce qu'on me la gaule tout le temps après. Et c'est vrai qu'on avait une vieille angoisse avec les copains, là. Parce que, écoute, il y avait une telle ambiance hier soir au Bataclan, on s'est dit, comment ils vont faire ce soir pour nous mettre la même ambiance? Comment? Non. Ça, c'était l'ambiance d'hier soir, mais ce soir, c'est comment? Wow, c'est génial! Et tu sais, c'est génial de démarrer un spectacle parce que tu rentres sur scène, tout le monde te regarde, tout le monde sourit, un peu moins lui, mais ça va venir tout à l'heure. Je m'en occupais. Et je dis, tout le monde te regarde, ça vient du fait que Joël Laloux du Bataclan a eu une bonne idée, il a mis tous les sièges dans le même sens, vous avez remarqué? Eh ben oui, ben c'est pas con! Parce qu'imaginez, on aurait mis les sièges n'importe comment. Ah bah, il y en a, ils seraient retrouvés devant l'issue de secours. Là-bas, ça aurait été très mal. Il y en a d'autres au balcon, ils auraient été dos à la scène. Carrément, tu vois le torticolis d'enfer. On n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée, hein, moi je vous le dis. Hein. En plus, j'ai une équipe d'enfer qui met le paquet, hein, mes petits gremlins là-haut. Je vais vous les présenter maintenant, d'ailleurs. Comme ça, on sera débarrassé avec ce truc-là. Tu vois, par exemple, à la poursuite, là-haut, il y a Anne-Marie à la poursuite. Anne-Marie! Hey! Aux lumières, mesdames et messieurs, il y a Stéphane, Titi et Diablo. Titi, Diablo, Stéphane, ouais! Au son, vous avez vu, je parle avec mes couilles. Curieusement, grâce à une fille, Audrey et Francis, Francis et Audrey, ouais! Alors, je remercie toutes les petites ouvreuses hein, du Bataclan qui ont placé les uns après les autres. Puis j'en ai encore un paquet derrière. Hein. J'ai Fabrice, Xavier. Puis j'ai mes deux chefs de meute. Celui du Bataclan, celui de la tournée, regarde. Martial et Bruno. Martial et Bruno. Hey 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 ah. Donc, tout ça, c'était pour vous dire qu'avec une équipe comme ça, vaut mieux pas me faire chier, OK? De toute façon, le premier qui me fait chier, c'est simple, je dégaine. OK. Bon, là, il y a une pédale, là. Tu la vois, la pédale? Hein? Eh, ce serait malheureux, t'es au premier rang, en plus, hein? Bon, alors... Eh ben, tu vois, si j'appuie sur cette pédale, je peux vous mettre dans le noir. Regarde. T'as vu? Et attention, si je veux, je peux tirer dans le noir. Regarde. Merde, je crois que j'ai blessé quelqu'un, là, non? Bon, en plus, vous avez vu, j'ai mes quatre gamines qui sont là, regarde. C'est des Varilites, ça s'appelle. Elles le savent qu'on parle d'elles, hein, t'inquiète pas, regarde. Oui, t'es une belle gamine, oui, t'es belle. Allez, tu fais un petit bisou à papa, fais un petit bisou, oui. Allez, tu vas être gentille avec papa, maintenant. Oh! Eh, oh, allume pas, oh! Sachement puissant, ces trucs-là! Ça pourrait foutre le feu dans la frisette, hein, faut faire gaffe. Bon. Alors, ce que je voulais vous dire,
avant de démarrer le spectacle, ce que je vais vous dire, c'est tout ce que vous ne verrez pas dans le spectacle. Hein. Il n'y aura pas de filles nues. Hein, eh ben non, il n'y en aura pas. Eh ben c'est comme ça, il n'y aura pas de numéro de claquette, il n'y aura pas Bernard Menez. Parce qu'il n'a pas pu venir au dernier moment, je sais que tout le monde va le regretter. Hein. Et comme d'habitude, mais ça vous êtes, vous savez, dans tous mes spectacles c'est pareil, hein, évidemment, il n'y aura pas de décor. Quoi? Ah ouais, la bagnole? Oh, c'est rien du tout, ça. Attends, on va la virer, la bagnole, si elle vous gêne. Hé, Martial, Bruno, vous reculez la bagnole! Merci! T'as vu? Hop, t'as vu? Hé, attention, attention, attention! Oh putain, je suis en colère! Non, pas à cause de la bagnole, ça, c'est un effet sonore. Alors vous, vous prenez tout au pied de la lettre, hein. Non, je suis en colère parce que hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Alors attends, vous connaissez mon côté sportif, hein? Moi, j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein? Ah bah, j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein? Bah, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas! Elle restait là! Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer! Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie! Bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein. Ah bah, la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, hein. À bouffer, c'est incomparable, hein. Oh bah, il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier, que la salope d'élevage n'a pas. La salope d'élevage, c'est fade, ça n'a aucun goût. Ça sent l'eau de Cologne, souvent. Tiens, je vois l'autre jour, avec des copains, on était partis à la greluche. Hein. Alors la greluche, ça se chasse pas, ça se pêche, la greluche. Hein. Si, c'est sympa, en friture, à l'apéro, avec un coup de rosé bien frais, ça passe tout seul. Hein. Donc on était là en terrasse, au milieu d'un banc de greluche. Hein. Autant dire qu'on était monté fin. Hein. Ah bah, jean, basket, swatch, Clio. Toi, on peut pas être monté plus fin, toi. Bon, tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Tous mes copains me font « Oh là là, t'as attrapé un gros morceau, t'es monté trop fin, tu vas casser !» Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier, hein, on sait pas ce que tu peux attraper. Hein. Bref, je mouline, j'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 52 kilos, ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Surtout que j'avais pas le matériel. Normalement, la bourgeoise, ça s'appâte avec minimum Porsche et Rolex. Là, je panique pas. Je remonte. Jusqu'à l'hôtel. Tu sais que là, faut rester vigilant, hein. Ah ben, moi, j'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel, hein. Ah ben, tu fais le malin, tu demandes pas l'épuisette, elle s'enroule autour d'un pot de fleurs, tac, tu casses. Là, je panique pas. J'en remonte jusqu'à la piole. Ce qu'il y a, c'est que c'est chiant à écailler la bourgeoise. Tu sais, parce qu'il y a toujours un tailleur Chanel avec un Wunderbra qui est serré à mort, quoi. Quand il n'y a pas un chignon à démêler. Hein. Et là, même dépioté, il faut encore faire attention. Hein. Ah bah oui, ça, c'est un réflexe. Toi, tu te dis, c'est dans la poche, tu te détends un petit peu, tu lâches une caisse, et ça va. Ah oui, la moindre odeur, elle le sent, hein. Mais c'est méfiant, la bourgeoise, hein. Ah, c'est pour ça que je dis, moi, chasseur ou pêcheur, hein. Moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif, l'imprévu. Regarde l'autre jour, en plein après-midi, 4h30, hein, j'étais avec mon copain Gégé, on se promenait dans les allées d'une grande surface, tout d'un coup, je vois mon Gégé qui se met à l'arrêt, comme ça. Les yeux fixent la truffe au vent, comme ça. Je le fais bien, ça, hein, tu vois, hein. Bon. Je me retourne. Il avait levé une grognasse, dis donc. Énorme. À 1m50 de nous, en plein après-midi. Ah, incroyable. On s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de pommes chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes, elle a disparu dans le rayon charcuterie. On l'a jamais revue, tu vois. Incroyable, hein, tu vois. Non, puis ce que je dis, c'est qu'il faut pas se décourager, hein. Je dis ça pour ceux qui arrivent jamais à en attraper. Hein? Non, je vous montrerai pas spécialement.
Ils l'ont pris pour eux, là, les deux. Non, vous plaignez pas, hein, vous en avez attrapé deux belles, hein. Dis donc, avec les gueules que vous avez. Franchement, hein, c'est bien payé, hein. Ah, je déconne, déconne. Ouais, te lève pas, parce que l'autre jour, il y en a, il s'est levé, le fauteuil, il s'est refermé, hop, il s'est assis. Non, c'est des beaux garçons en plus, ce soir, tiens. Pour le coup. C'est un petit peu moins. Non, non, je déconne. Non, mais ce que je dis... Non, mais je disais, oh, faut pas se décourager. Regarde-moi l'autre jour en boîte. 5h du matin, hein? Pas une touche de la soirée. J'ai dit là, je vais rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille. Quoi? Ah, la mamie, elle a entendu béquille, elle est... sur les nerfs, hein, mamie, hein? Il y a longtemps qu'elle n'a pas vu une béquille, hein, mamie? Ah, non, je déconne, mamie. Bon, et alors? Bon, tout d'un coup... Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce que. Elle avait le poil tout collé et elle boitait de l'arrière. Hein. Bon, moi, plus par humanité qu'autre chose, je dis je vais l'achever, Bobagay souffre. Je la tire. À peine le coup était parti, évidemment, il y en a une qui me passe sous le nez, superbe. Des yeux de biche, un sourire d'enfer, elle me fait « Salut !» et elle se barre. J'ai pas eu le temps de recharger, rien. Ah non, mais il y a des jours avec et des jours sans, hein, moi je vous le dis. Hein. De toute façon, c'est que tu t'y attends pas, que tu fais les plus belles prises. Ah ben moi, je vois l'autre jour, je suis tombé sur une vorace. Hein. Elle m'avait avalé 20 cm de ligne. Hein. Ben, j'ai été obligé de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos. Hein. Ah bah attends, une autre fois, j'observais une pétasse à la jumelle, je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté, sûrement. Ça m'en fait des souvenirs, hein. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Oh non, 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 je peux pas, non, je peux pas, non. Hein? Bon, d'accord. Alors... Non, mais parce que vous savez ce que c'est, hein, j'ai toujours peur de passer pour un sentimental. Hein. Si, c'est vite fait, faut faire attention. Hein. Je sais même pas comment vous racontez ça, d'ailleurs. Écoute, une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30. Apéritif au coin de la rue, resto italien, 2 bouteilles de Chianti, cinéma, nightclub, 4 bouteilles de champagne. 3700 balles la traque, je vais dire qu'on bat tout bien. Je vous passe les détails. 14 heures plus tard, le parking de la discothèque est désert. Elle est là devant moi, abandonnée. Elle lutte plus. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de gerber pour la deuxième fois. Elle me regarde. Enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux qui... Je la vois encore doucement s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimmel qui courait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle, je l'ai laissée partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup y parte. Parce que après, faut reconnaître que ça retombe.
Vous voyez, la dame a dit « J'adore ce garçon ». J'étais réticente au départ, je voulais pas venir, et maintenant je l'adore. Il n'est pas vulgaire. Il est drôle, hein ? Mais bien sûr. Et elle a raison, la dame. Vous avez vu ce sketch qu'on a fait pour démarrer le spectacle, hein, vous avez vu ? Pas un mot plus haut que l'autre, hein. Quoi ? Que des termes chasseurs-pêcheurs, bien cousus, hein ? Moi, je dis que si un enfant écoute ce sketch, il trouvera rien à redire. Hein. Sauf s'il y a un adulte à côté qui se gratte les couilles en y cassant, évidemment. Parce que je suis d'accord avec vous que votre imaginaire d'adulte, à vous, hein, vous a fait fabriquer des images parfois insoutenables. Hein. Alors, c'est vrai que tous ceux qui vont fabriquer des images dégueulasses, hein, ben, ils vont penser que ce sketch, il est dégueulasse. Hein. Et je suis bien d'accord avec eux. En revanche, tous ceux qui ont fabriqué des images plus drôles que dégueulasses, ben, ils vont penser que ce sketch est drôle. C'est tout con, hein. Eh ben, vous voyez, c'est exactement ça, le spectacle vivant, mesdames et messieurs. On va en parler, hein, d'ailleurs, tout au long de la soirée. Je vous remercie, au passage, d'être venus aussi nombreux. Vous savez que ça marche du feu de Dieu. Je suis fier, comme tout. Ça m'arrange mieux, d'ailleurs, ne serait-ce que pour des raisons financières, hein. Que tout le monde comprend, ah oui, c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est vrai, vous avez super raison de venir au spectacle vivant, parce que regarde, en deux mots, le spectacle vivant, c'est exactement au milieu, entre le bouquin et le cinoche. Tu vois. Regarde, lire un livre, c'est formidable, hein, c'est une aventure. Eh ben oui, parce que t'es obligé de tout fabriquer. Par exemple, dans le bouquin, on te parle d'un petit gros à moustache. Hop, chacun fabrique son petit gros, comme il veut. La grosseur de la moustache, l'intonation de la voix, tout ça. Hop, tout d'un coup, arrive une grande blonde avec des gros nichons, tout ça. Hop, chacun fabrique sa grande blonde comme il veut. Ouais. Bon, tout d'un coup, la montagne s'écroule. Allez, hop, au boulot. On écroule la montagne, on regarde pas la dépense, on s'en fout, tu vois. Et alors, à l'extrême inverse, vous avez le cinéma, qui est une excellente distraction aussi, mais là, c'est tout le contraire. Au cinéma, t'as plus rien à faire. T'as plus qu'à t'asseoir. Et à ouvrir tes yeux et tes oreilles. Encore que les oreilles, t'es même pas obligé de les ouvrir, hein, parce qu'elles sont tout le temps ouvertes, hein, les oreilles. Hein. Vous avez remarqué ça? Ben, si tu veux, tu peux fermer les yeux, mais tu peux pas fermer les oreilles. Ben, vas-y, tu fais la maline, vas-y. C'est là qu'elle me fait... Merde, comment elle fait ça, celle-là? Tu vois? Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, cinéma? Il y a tout, le petit gros à moustache, c'est celui qu'on te montre sur l'écran, la grande blonde, la montagne qui s'écroule, tout, il y a tout, il manque plus que les odeurs. Au cinéma, c'est pas encore fait, mais ça va pas tarder. Et au milieu, mesdames et messieurs, vous avez le spectacle vivant. Là, par exemple, vous avez décidé de venir voir un mec tout seul. Bon, eh ben regardez, moi, comme dans le cinéma, je vous impose un certain nombre de trucs. Ne serait-ce que ma présence physique, hein, l'intonation de ma voix, mes odeurs, un petit peu... Pour les premiers rangs, hein, je vous promets pas qu'il y en aura dans le fond. Hein. Bah, je vais pas non plus me mettre à flouser pendant des heures. Hein. Avec un gros ventilo, tu sais, vous avez vu. Alors après, les autres diraient, hey, on en a pas eu. Attends, je vais me tourner. Hein. Vous voyez bien que ça serait ridicule. Hein. Et comme dans le bouquin, moi aussi, je peux vous faire fabriquer des images. On l'a vu tout à l'heure, hein. Elle avait le poil tout collé, boitait de l'arrière, hein. Je voudrais bien repasser la cassette à tout le monde, hein, je te le dis. Même mamie, je suis sûr, elle nous a fait une cassette d'enfer, hein, c'est vrai. Et regarde, un autre avantage du spectacle vivant, c'est qu'à partir de la même image, bah, regarde, on voit tous la même chose, hein, bah, ça évoque pas pour chacun le même sentiment. Hein. Ah, non. Ah non, surtout s'il arrive un incident. C'est possible, le spectacle vivant. Alors là, les réactions, elles seraient très différentes, hein. Il y en a, ils diraient, oula, qu'est-ce qui se passe, t'as vu, là? Les autres, ils diraient, oh, tu vois, ils déconnent, c'était prévu, tu parles, et tu vois. Bon, ça, regarde, imagine, je dis n'importe quoi parce qu'on a tout bien verrouillé, hein, tu peux y aller, mais imagine, tout d'un coup, il y a une coupure de courant, tu sais, tout d'un coup, clac, hop, il n'y a plus de quoi. Merde. Eh, il y a une coupure de courant, là, eh? Stéphane, Diablo, Titi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, Bruno, Martial? Oui. Bah,
mais il y a une coupure de courant, là, c'est génial, là, actuellement. Eh ben, je sais pas, je te pose la question. Quoi ? Ah, gogo ? Ouh là là ! Ouh là, ça a l'air de repartir, attends, regarde. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, je sais pas, je te pose la question. Regarde, on dirait qu'ils cherchent quelqu'un. Si, si, je te promets, regarde, tu vois pas les trucs ? Ouh là là, ouais ! Ah, ouais, d'accord. Ouh la vache, t'as entendu ? Ah, ouais, d'accord. Ah non, 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 attends, ça repart de l'autre côté, dis donc. Je te dis que c'est moi qui cherche. Bah tiens, regarde, je l'ai derrière la tête, regarde, regarde. C'est moi qui cherche à tous les coups, je te dis. Ah bah je sais pas. Oh putain, t'as entendu ? Ah ouais, non. Tu sais qu'on me l'avait dit, ça ? Attends, mais je déconne pas, on me l'avait dit, hein ? On m'avait dit un jour, tu seras comme Royalet, comme tout le monde. Alors moi, j'y croyais pas, toi. On me disait, ouais, tu verras, c'est comme un viol et tout, tu vois. Ça... Moi, je disais, ça arrive qu'aux autres, puis ça a pas loupé, mesdames et messieurs, j'ai été cambriolée. De toute façon, c'est bizarre, ce jour-là, je me sentais oppressé, toi. Je me sentais observé. Les gens, en sortant du métro, tu sais, il y a toujours un plan, la sortie du métro. Sur le plan, c'était marqué « Vous êtes ici ». J'ai dit « Oh putain, on m'observe !» Je cours de l'autre côté de la rue, il y avait un autre plan, il y avait que moi qui regardais, ça s'adressait forcément à moi, toi. C'était encore marqué « Vous êtes ici ». Ils savaient déjà que j'avais traversé la rue. J'ai dit à tous les coups, on est en train de me cambrioler. Alors là, ni une ni deux, je saute dans la bagnole, et là, sur le chemin du retour, tout d'un coup, pan, le feu passe au rouge. Ah, j'y ai d'accord. On cherche à me retarder. Ok, j'attends, le feu est très lent. Il passe enfin au vert, je redémarre. 2 minutes après, pan, un autre feu rouge. Je dis, oh putain, ils sont organisés, les mecs. J'arrive enfin devant chez moi et là, il y avait une place pour se garer. Juste devant chez moi. Ben, il n'y a jamais de place devant chez moi. Hein? Comme par hasard! Vraiment, ils me prennent pour un con, hein. Alors j'ai été me garer en haut de la rue, hein, comme je fais d'habitude, hein. Pour me faire baiser la gueule, hein. Et là, arrivé devant la porte de la maison, là, je me suis aperçu que j'avais été cambriolé. Et puis, pas par un blaireau, hein. Ah non, moi, un professionnel, hein, t'aurais vu la serrure intacte, hein. Pas une rayure. D'ailleurs, une fois à l'intérieur, j'ai eu la confirmation que c'était un professionnel, parce que des petits voyous, ils m'auraient tout chamboulé dans l'appartement. Lui, il avait tout remis en place. Les chaussons bien rangés à côté des patins, l'écharpe sur le 3e porte-manteau et tout, la panique, hein ! Alors, je déboule dans le salon, là, tous les tiroirs du buffet, tous refermés. Même celui qui coince, qu'il faut rentrer en biais, tu sais. C'est dans la cuisine que j'ai vraiment commencé à flipper. Hein. Là, je me suis dit, bon, qu'ils remettent mon bol dans l'évier. Après tout, un pro, c'est un pro, ça se discute pas. Hein. Mais ma machine à laver sur le numéro 4, comment ils savaient que j'allais faire une lessive synthétique, cet enculé ? Comment ? Alors, aussitôt, j'ai fouillé toute la maison, hein, tu penses, hein, pour savoir ce qui m'avait piqué, hein. Alors là, j'ai fouillé de fond en comble, hein, du grenier à la cave, partout. Bon, en fait, à première vue, il m'avait rien piqué. Bon, mais... Non, mais attends. Parce que après, en sortant le linge de la machine, je suis aperçu qu'il me manquait une chaussette. Alors évidemment, ça a l'air insignifiant comme ça, une chaussette. Non. Ce mec est très fort. Si vous voulez, en me piquant cette chaussette, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Ben, il veut me dire tout simplement, je rentre chez toi quand je veux. Mais vous imaginez la prétention de ce mec ? Quand je veux. Non, mais attends, je m'entends encore penser, mais dis donc, tu sais pas sur qui t'es tombé, mon petit mec ? Parce que j'ai tout de suite cerné le personnage, hein, tu penses ? Ces genres de voleurs mégalos, vicieux, tu vois, qui préparent un énorme coup, mais qui aiment bien auparavant mettre sa victime au défi, tu vois.
ça l'excite, tu vois, ce mec-là. Oui. Parce que là, il me pique une chaussette, mais quand il va frapper, qu'est-ce qu'il veut? Eh ben ouais. Va savoir ce qui se passe dans la tête d'un mec comme ça. Ça se trouve, un matin, il va débouler avec un hélicoptère de l'armée. Il va arriver au-dessus de la maison, il va jeter des sangles ou je sais pas quoi. Il va peut-être embarquer la maison tout entière. Vous savez, un gars comme ça, ça improvise pas, hein. À tous les coups, ça fait des mois qu'il épie mes moindres gestes. Il me guette. On va savoir, à un moment d'inattention, il aura peut-être pris une empreinte de ma clé dans de la mie de pain. Ah oui, on regarde jamais s'il nous manque de la mie de pain, hein. Ça, il pourrait le dire, les flics, ils le connaissent, le coup de la mie de pain. Alors après, évidemment, il est comme chez lui, hein. Il rentre, il sort, il se cache dans la maison. Je sais qu'il se cache. De toute façon, ça n'a pas traîné. Moi, immédiatement, j'ai scié les pieds du lit. J'ai brûlé les rideaux, j'ai cloué toutes les portes des placards. Comme ça, il n'y a plus une cachette dans la maison. D'ailleurs, la maison, je l'ai fait lester avec du plomb, tu vois, au cas où il viendrait avec son hélicoptère de merde. Oh. Alors, j'ai réagi, bien sûr j'ai réagi. J'ai fait comme vous auriez tous fait. Je suis normal. Quoi? J'ai changé de serrure. J'ai remplacé le pain par des biscottes. Va faire une empreinte de clé quand t'as une biscotte. Eh ben oui, mais le lendemain, il était revenu. Les chaussons bien rangées à côté des patins, l'écharpe, le bol dans l'évier, vous pouvez pas savoir, j'ai tout fait. Il y a un moment même, toi, la pression était telle, toi, entre lui et moi, toi, il y a un... J'ose même pas vous le dire, parce que, si vous voulez, il y a un moment, je me suis fait fabriquer carrément une serrure spéciale. Toi, j'ouvrais avec ma bite. Et dis-là, s'il veut faire une empreinte, je vais forcément le sentir. Et ben, le lendemain, il était revenu. Comment? Le problème avec les biscottes, c'est qu'une fois mâchées, ça fait de la pâte, hein, quand même. Hein. Et oui, malheureusement, ma femme était dans le coup. Tu penses? C'est elle qui lui a refilé l'empreinte. Alors tu peux y aller, celle-là, je l'ai virée à coup de pompe dans le cul, hein. Alors après, évidemment, j'ai perdu mon boulot à force de rentrer 8 fois par jour à l'improviste pour essayer de le choper. Et là où d'autres auraient craqué, il y en a qui auraient craqué. Moi, je me suis concentré, quoi, 8-10 jours, et tout d'un coup, la lumière. J'étais plus une victime. Fallait que je passe à l'attaque. Que je le fasse mordre à l'hameçon, cet enculé! Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai couru à ma banque, j'ai cherché tout l'argent que j'avais sur mon compte, en petite coupure, ça fasse plus gros, avec le coffre où j'avais les bijoux de famille. Je suis rentré à la maison, j'ai tout étalé en évidence dans la maison, une liasse à bijoux, une liasse sur le lit, dans l'entrée, sur la table, partout. J'ai laissé toutes les portes de la maison grandes ouvertes. Tu vois le truc, hein? Et là, j'ai préparé ma valise, je suis sorti, arrivé à la voiture, j'ai discrètement murmuré à mon voisin, « Je pars à Tourcoing pour au moins 4 jours !» Et là où je suis fort, c'est que je suis réellement parti à Tourcoing. 4 jours. Et quand je suis revenu, exact! Il avait tout piqué! Il avait mordu à l'hameçon comme un débutant! Quoi? Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est votre côté parano, ça, évidemment, hein. Évidemment, vous êtes en train de vous dire, c'est peut-être pas lui. Hein? C'est peut-être un gars de passage. Un gars de passage, tu me fais rigoler! Me dis pas qu'un gars qui a un hélicoptère de l'armée
me dis pas qu'il avait pas une cinquantaine de complices qui m'observaient jour et nuit. Tu penses, il voulait pas que le butin lui échappe, hein. De toute façon, rassurez-vous, moi, j'ai la preuve, hein, que c'est lui, hein. Eh ouais, bah, si, il s'est fait baiser la gueule, toujours à cause de ses petits signes, con, là, tu vois. C'est ce qu'il avait fait. Et il m'avait remis ma chaussette sous mon bac à linge. Ah, le con! Ça va? Non, ça déconne, ça va? Ouais, ah, dites-le, bordel! Ah non, attends, il faut jamais me faire des coups comme ça, hein? Bah non, là, vous me faites douter, là. Ah, on est en spectacle vivant, je vous signale, hein? Quand je vous pose une question, vous me répondez tout de suite, hein? Je vous dis, ça va? Ouais! Ah oui, tout de suite, hein? Attends, ne vous rendez pas compte, ça pourrait bousiller la soirée, hein? Tu sais, il y a un moment, hein, quand le spectacle il est bien lancé, là, qu'on est chaud, comme ça, tu sais, il y a un moment, il n'y a plus vous, moi, le Bataclan, tout ça, il y a un moment, on ne fait plus qu'une seule et même personne. Hein, hein? Si, si, je te jure, y a un... moi, je dirais, il y a un moment, plus vous riez, plus je suis drôle. Non, non, le faites pas pour me faire plaisir, je vous dis qu'il y a un moment qui est comme ça. Hein, non, faut pas faire douter. Enfin, encore que de douter, c'est vachement humain, hein, j'allais dire même... C'est pratiquement lié au spectacle vivant. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tu vois, une machine, elle pourrait pas le faire, ce que je fais là, une machine. Hein. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'une machine, ça ne doute pas. Regarde, un ordinateur, même vachement balèze, hein, il dit jamais « je me demande »,« je suis pas sûr »,« je suis inquiet pour ce truc-là » et tout. Non, jamais. Hein. C'est rare quand t'allumes ton ordinateur le matin qu'ils disent « tiens, qui c'est qui me tripote la souris, là ?» Qu'est-ce qu'il veut me rentrer dans le disque dur, lui? Non, jamais, hein. C'est, hey, un ordinateur, c'est très con, en fait, hein. Faut pas se laisser impressionner, hein. Bien sûr, il a plein de trucs, ils sont super bien rangés, il répond tout de suite et tout, mais tu sais, c'est un système binaire. Les ordinateurs, c'est-à-dire, au moment où il répond, tu sais, c'est 0 ou 1. En fait, il y a rien entre les deux. C'est pour ça qu'il a pas d'état d'âme. Par exemple, pour un ordinateur, une porte un tout petit peu entrouverte, comme ça, eh ben pour lui, c'est une porte ouverte. Parce qu'elle n'est pas fermée. Donc, elle est ouverte. Très con, un ordinateur. Hein. Alors que l'homme, tu m'excuseras, lui, l'homme, le système binaire, il ne connaît pas. Hein. L'homme aussi, des fois, il n'a que 2 routes devant lui. Une là, une là. Ben, très souvent, l'homme, il ne sait pas chier, il passe au milieu. En arrachant la pancarte, et il va dans l'herbe. Où il n'y a pas de route du tout. Bon, ben ça, tu vois, l'ordinateur, il ne sait pas le faire, lui. Hein. J'ai même remarqué que l'homme prenait vraiment sa distance, tu vois, avec la machine, surtout les lendemains de cuite. Tu sais. Ou quand l'homme est bourré, en général. Hein. Ah oui, alors là, il est complètement largué, l'ordinateur. Vous avez vu, nous, les lendemains de cuite, hein. Nous, on invente des mots. Ah oui, nous, on fait des contractions... qui sont pas dans le dictionnaire du tout. Hein. Quand je vois l'autre jour, moi, je croise un copain comme ça, un lendemain de cuite, qui était encore un peu bourré de la veille, tu vois. Et alors, tu sais, je lui dis un truc, mais évident, tu vois. Et illico, il me répond, c'est clure. Tu vois. Et ben là, c'est un mélange de c'est clair et c'est sûr, tu vois. C'est clure. Tu vois, un seul mot pour dire 2 trucs. C'est génial. Hein. Vous avez aussi le bonjour, qui est bien. Ça, c'est en fin d'après-midi, tu sais, quand on a fini de dire bonjour et qu'on va pas tarder à dire bonsoir, tu vois. Des fois, t'arrives et tu dis « bonjour », tu vois. Et tiens, t'étais encore bien bourré, toi. Et une autre fois, je le recroise, mon pote, mais là,
Il était encore plus bourré que la veille. Hein, là, c'était terrible. Hein, il s'approche de moi comme ça, il fait si je peux me faire mettre. J'ai dit, non, 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 oulala. Il fait attention, là, ça veut dire complètement autre chose, là. C'est parce que je me laissais pousser la moustache. T'sais. Et alors, il s'approche comme ça, il me fait ça. Tu te laisses moustache? Remarque, on comprend très bien, hein. Tu te laisses moustache, hein? Hein, on voit même pas pourquoi on dit toute la phrase, hein, du coup. Remarque, moi, je suis un petit peu avantagé parce que moi, j'ai fait mec bourré deuxième langue, hein, donc je. Ah, ouais, moi, je parle couramment le mec bourré. Eh ben, si, ça aide. Ça permet de comprendre, tu vois, le gars qui est dans le métro, qui a la bouteille à la main, tu sais, ou sur le trottoir. Et le mec qui fait « Hey, gars, je Tu vois, bon, là, je traduis. Ça veut donc dire, par exemple, « Mesdames et messieurs, je réclame votre attention, s'il vous plaît. Hein? » Alors après, il fait « Hey, j'arrive pas, s'en va, connard !» Auriez-vous l'obligeance de me dépanner d'un franc ou deux ? Ce qui constituerait pour moi un capital de départ qui me permettrait de renouveler le contenu de cette bouteille dont je suis extrêmement friand. Quoi ? Alors, merci. Et après, il insiste, il fait « Adieu, moi, bientôt !» Quel dommage que vous ne puissiez pas accéder à ma requête. Toutefois, et malgré le différend qui manifestement nous oppose, je vous recommande chaudement d'entrer en contact au plus vite avec la population masculine grecque. De toute façon, vous m'êtes indifférent. Il est même possible que je ne vous adresse plus jamais la parole. Eh bien, vous voyez, ce mec-là, on le comprend très bien. Hein? On s'aperçoit même que dans une conversation, ou même dans un spectacle, hein, comme maintenant, on s'aperçoit que... Vas-y, retire ton truc, tu seras mieux. On s'aperçoit que... Arrête, c'est bon. Et on s'aperçoit dans une conversation que... c'est l'intention qu'on y met. L'intention... c'est tout ce qui n'est pas le langage, hein. C'est les mouvements du corps, tu vois, l'intonation de la voix, le volume, les sourcils, les yeux, et ben l'intention y est pour beaucoup sur la compréhension, hein. Ah, t'es dur, hein. Regardez par exemple quand vous regardez un film de cul sur Canal+ et que vous n'avez pas de décodeur, et ben regarde, grâce aux intentions, hein, on comprend ce qui se passe. Quand même. Les films de cul, ça fait comme ça, ça fait... Quoi ? Yeah. Hey. Même que si vous montez le son, on arrive à comprendre des mots. Les sérums, mamie, tu mets bien l'oreille sur le truc, hein. On comprend des mots, je te jure, hein. Tu mets bien l'oreille, ça fait comme ça, ça fait... D'ailleurs, on voit bien qu'il la retourne, c'est beaucoup plus dur, hein. Là, ça fait... Comprends ? Grâce aux intentions. Je te jure, hein. Eh ben non, regarde, comme un autre exemple. Qui n'a rien à voir. Il y a le curé à l'église. Hein? On ne comprend jamais un traître mot de ce qu'il dit. Hein? Le pauvre curé, il est dans le fond de l'église, derrière son micro, ça fait comme ça, ça fait... Et à la fin, très nettement, t'entends « Et maintenant, la quête !» Alors, on comprend très bien. Donc, on comprend...
Donc, pour revenir à mon mec bourré de tout à l'heure, regarde, moi d'entrée, hein, je vous ai fait la traduction. Mais vous auriez très bien pu la faire vous-même. Hein. Eh oui, parce que grâce aux intentions, on comprenait très bien ce qu'il voulait ce gars-là. Hein, il n'avait plus assez de vin dans sa bouteille. Il voulait qu'on y ordonne et tout. Non, on comprenait aussi bien qu'un très bon français, hein, le français académique, qu'on a tous appris à l'école, le très bon français, hein, d'ailleurs entre nous, hein, qui souvent est imbitable. Ah, le très bon français. Alors là, je vous le garantis, hein, moi-même, je vais dire, je plains carrément les étrangers qui arrivent en France. Hein. Ah oui, nous, on ne se rend pas compte. Mais quand nous, on dit à des étrangers, ça vous dirait de boire le thé? Bah, eux, ils croient que c'est du verbe boire le thé. Je boire l'autre, tu boire l'autre, nous boire le thon, vous boire le thé. Qu'est-ce que vous faites? Bah, nous boire le thon, tu vois. Tu veux une tasse, tu vois? Comme jurle, du verbe jurler, jurle, turle, irle, nourle, vourle, tu vois, on comprend rien. Ah bah attends, c'est qui nous arrive même, et souvent, bon français, hein, carrément de sortir une insulte en étranger. Hein. Ah oui, sans le vouloir. Regarde, à longueur de journée, tu sais, quand on est pressé, on dit, bon, allez, fuck j'y aille. Hein. Bon ben, fuck j'y aille. Dis donc, en anglais... Ça veut quand même dire enculé de militaire américain. Fuck GI. Hein? T'as pas inventé ça quand même. Alors. Et pire. Regarde, pire, l'utilisation des verbes. En très bon français. Hein, alors, je veux dire, le français, vraiment, qui est utilisé par tous nos grands auteurs hein, depuis des siècles et des siècles. Hein. Vous allez être d'accord avec moi hein, que couramment. En très bon français, on nous fend le cœur, on nous brise les reins hein, et on nous casse les couilles. Alors que moi, j'ai pas dans l'idée qu'une couille, ça casse. Vachement élastique, une couille, hein. Là, mamie, elle a eu une béquille tout à l'heure, une couille maintenant, là, là. On est en train de recoller les morceaux, mine de rien, mais bon. Alors, je t'embête, mamie. Alors, non, mais sérieux. Moi, je dis, c'est sérieux, il a une couille dans la main, il dit sérieux. Non, il dit sérieux. Moi, je dis, tu prends une couille. Hein. Bon. Là, il y a la dame, elle dit, attends, tu prends une couille où? Il y a un magasin de couilles, quelque part. Tu vas chez l'arabe, il y a les melons, les kiwis et les couilles. Non, t'essayes d'imaginer, tu fais comme mamie, hein? D'accord? Ah, bois une couille, sans les poils, hein, nature, hein? T'emmerdes pas avec la peau autour, c'est pour une expérience, hein? Bon, alors, moi je dis, tu bois une couille. Bon ben, moi je dis que même si tu la claques très fort par terre, eh ben moi je la vois bien rebondir, la couille, hein? Tu la vois rebondir? Oui, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Même que si elle rebondit assez loin, eh ben ça peut lui permettre de retomber dans le potage, ce qui vérifie à ce moment-là l'expression, il y a une couille dans le... Ben bien sûr. Et regarde. Et pareil, hein, mesdames et messieurs, pour le préfixe « dé » en français, tu sais, qui veut dire l'inverse. Hein. Faire, défaire, ranger... Bien. Bon, eh ben regarde, démanger. Démanger, c'est pas l'inverse de manger, hein. Regarde l'inverse de boire, on devrait dire déboire. Eh ben non, on dit dégueuler. Alors que dégueuler, c'est pas l'inverse de gueuler, hein, non plus. Tu vois que c'est pas pratique quand même, hein. Alors c'est pour ça que je vous le dis, mesdames et messieurs, simplifions. Parlons-nous en onomatopée. De temps en temps, tu sais, pour faire jouer les intentions. Tu vois, ça va recréer un dialogue avec les jeunes. Tu sais, le dimanche matin, en famille, on pourrait... Oh, salut, toi, t'as mis de con. Oh, ta gueule, toi. Tu vois? Eh oui. Ça peut même rendre des services énormes, hein, parce que... Tiens, et là, je déconne pas, hein, là, je suis sérieux. Non, sans déconner, tu vois. L'autre jour, j'avais une fuite d'eau à la maison. Hein, mais pas une petite fuite, hein. Attends, j'avais de l'eau jusque-là. Eh ben, ça m'a quand même permis d'appeler le plombier.
Oui, j'ai pris le téléphone, j'ai fait... C'est le blablabla là ? Bah, ce genre de blablabla là ? Moi, je vais vous dire, vous pouvez 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 vous dire, un peu, ouais. Et alors? Alors tu vois, ça me gonfle, ça, toi. Hein, tu crois pas que je joue, toi, par exemple? Tu crois pas que je joue, toi? Ah bah t'auras peut-être une surprise tout à l'heure, toi, toi, toi. Ah, ah. Je veux pardon. Je vais enfiler un gars qui en manque un peu. Tiens, faites passer au monsieur. Tiens, faites passer. Ah. Et là, tu t'arrangeras ça comme tu veux, hein, oui. Mais là, gaspille pas non plus, hein, range-les. Alors, parce que là, il y a du boulot, hein, il en manque un. Bon. Alors, moi, si j'en retrouve, je t'en redonne, hein, d'accord? Alors, tiens. Oh là là, regarde, là, une poignée. Là, regarde, alors là, il y en a un paquet, hein. Voilà, eh ben, aide-le, toi. Bien, super. Alors, peut-être lui remettre un peu maintenant. Bon, là, hey, là, vous avez vu, spectacle vivant, hein. T'as vu? Vous avez vu ce qui s'est passé, là? Tu réponds quand je te cause, hein, j'ai déjà demandé. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui! Vous avez vu, j'ai senti dans les yeux du jeune homme, là. Il croyait pas que je jouais de la guitare, dis donc. Hein, t'as vu, ça m'a gonflé. Hein, et j'ai quand même gardé le sourire. Eh, et pourquoi? Bah, parce que, je vais vous expliquer comment j'ai fait, j'ai une nouvelle méthode de relaxation que je vais vous donner, hein, d'ailleurs. Vous allez repartir avec, vous allez me remercier après. J'ai une nouvelle méthode de relaxation qui s'appelle le hurlement primaire. Alors, je vais vous donner d'abord deux ou trois exemples, hein, qui consiste, comme vous l'avez compris, à plutôt faire fonctionner les cordes vocales, tu vois, plutôt que d'accumuler bêtement le stress. Hein. Parce que ça, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Hein. Vous avez remarqué? Alors là, on est tous champions du monde. Hein. Dès qu'il y a un truc qui nous emmerde, on dit, bon, ben, allez, je vais le mettre de côté, je verrai ça plus tard. Puis après, clac, il y en a un autre qui arrive tout de suite derrière. On dit, bon, ben, là, j'ai de la place là, je vais le mettre ici. Puis après, on dit, oh, bon, il y en a déjà 32. Alors, je mets par-dessus. Et bien, on accumule. Et c'est comme ça que 15 ou 20 ans après, t'attrapes un cancer de l'anus. Parfaitement. Et d'ailleurs, un vieux proverbe campagnard qui le dit bien, hein, et qui est très vivant lui aussi encore, hein, et qui le dit bien, qui dit « Paix contenue, furoncle au cul. » Et c'est vrai. Tout le monde connaît ce proverbe. Hein. Si vous allez être d'accord avec moi que les trucs qui gonflent, hein, c'est quand même pas ça qui manque. Hein. Alors, tiens, je le voyais encore cet après-midi avec les beaux jours, hein, qui reviennent. Je me promenais sur le trottoir. Vous avez remarqué les petites crottes de chien, c'est qui sont au bord du trottoir. Alors, à 15 cm, tu sais, du caniveau, mais sur le trottoir. Vous les avez vues, les petites crottes? Ouais. Bon, monsieur, on sent qu'il y a eu un effort de fait. Ben oui, elles sont pas alignées là par hasard, hein. Vous avez jamais vu trois chiens arriver en même temps que celui du milieu qui dit « Allez, Rex, Médor, on est bien alignés, allez, on y va, là !» Non. Vous voyez bien que c'est les gens qui l'ont glissé, là, le chien, hein. Ils voulaient pas y aller au départ. Il y en a même certains qui sont arrivés à le mettre dans le caniveau. Et puis bon, il s'est mouillé les pattes, il est remonté, il a chié là, puis c'est devenu une habitude. Alors là, tu vois, par exemple, là, je dis que quand le chien, il a quand même fait 95% du boulot. Dis donc, tu crois pas que le maître, au dernier moment,
Tu crois pas qu'avec le pied, hein, il pourrait... Bah oui, surtout qu'avec les croquettes maintenant, t'as vu les crottes de chien, hein, tu peux jouer aux osselets avec, hein. Ça se garde dans la poche 8 jours, hein, faut pas me raconter. C'est sec comme un coup de trique, hein, t'as vu. Je me demande toujours s'il s'arrache pas le fion, même en les disant, hein. Hein, tellement c'est sec. Ah bah des fois, on a envie de les remettre dans la boîte, les... Pour voir s'il les remangerait. Alors, bon, ouais. Et tu crois pas qu'au dernier moment, hein, le maître, il... Tu crois pas qu'il pourrait... Hop, toi. C'est d'ailleurs pour ça que les grosses merdes de chiens, elles sont tout le temps au milieu du trottoir. Bah, vous voyez pourquoi. Vous voyez pas pourquoi? Bah, parce que les grosses merdes de chiens, c'est fait par des... Gros chiens. Par des gros chiens, c'est quand même pas compliqué, ça. Donc là, vous voyez bien que le gros chien, ils sont pas arrivés à le tirer sur le bord. Il a pas voulu, le gros chien. Ils ont dit, ouais, le gros chien, il a dit, moi, je fais 80 kilos, je chie où je veux. Ah, ils ont essayé, hein, ils ont tiré. Parce qu'il y a les gros chiens, plus tu tires, plus ils poussent. À la limite, ça l'aide. Si, ça tend un petit peu la peau, tu vois, et plaf. Les gros chiens qui sont les plus cons, en plus, hein. C'est le maître, il dit, qu'est-ce que t'as fait, connard? Le gros chien, gars, là, le patron, il a envie de jouer. Il piétine bien tout le machin. Après, il fait la fête à son maître, tout ça. Il en met partout. Si c'est un pitbull, il arrache un bras pour jouer et tout. Bon, tu vois, bon, et ben regardez. Moi, j'étais exactement comme vous, tu vois. Avant, eh ben, j'accumulais aussi, tu vois. Je prenais sur moi, je disais, tant pis, on va vivre avec ça toute notre vie. Alors, toute notre vie, les petites trottes au bord, les grosses merdes au milieu, toute notre vie, comme ça. Comme un autre exemple, qui n'a rien à voir. Mais là, je voudrais parler d'une catégorie de gens. Alors, écoutez bien, parce qu'on en a tous au moins un dans la famille. Ou parmi les amis. Je voudrais parler de la catégorie de gens qui font semblant de reboucher les pots de moutarde ou de confiture. Je parle pas des gens qui les rebouchent pas, hein. Parce que nous, on passe derrière, on les rebouche très bien. Ah, non. Je parle des vicieux, de ceux qui font semblant. C'est-à-dire, ils reposent le couvercle, mais ils le vissent pas. Parce que là, évidemment, c'est toujours très croustillant dans les moments d'urgence. Hein. C'est toujours le matin où tu es vachement pressé, tu as mis un beau costume, tu es en retard pour aller au boulot. Tu vois, tu te dis, je vais juste avaler un petit yaourt avant d'aller au travail. Tu ouvres la porte du frigidaire et devant le yaourt, il y a le fameux pot de moutarde. Hein. Alors toi, tu le sors et il explose à tes pieds sur la tomette. Alors toi, comme tu pratiques pas encore le hurlement primaire, parce que je t'ai pas expliqué, il y a différentes techniques. Il y en a qui font un peu de respiration d'accouchement pour éviter de tuer un proche, tu vois, dans la minute qui suit. Après, ils font un rapide bilan de la situation, ils retirent la grosse tache, c'est qu'à sauter sur le costume, un petit coup sur les chaussures, et ils laissent sécher. Comme ça, le soir, t'as plus qu'à revenir avec un marteau et un burin pour essayer de décoller les petits bouts de verre bien plantés dans la moutarde sèche en essayant d'épargner la tomette. Eh ben, moi, je dis non! Moi, je dis ça suffit! Moi, je dis terminé! Halt! Vos papiers! Non, pas vos papiers! Non, j'ai dit, il y en a marre! À partir de maintenant. Il y en a marre de se laisser systématiquement dominer par les trucs qui gonflent. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple concret, hein, où il faut pratiquer le hurlement primaire. Hein. Alors, je donne un exemple tout simple. On est par exemple dans une salle d'attente de médecin. Alors, une salle d'attente normale. Hein, donc, on est 28. Entassés sur les banquettes, les fauteuils, les coins de pots de fleurs. C'est tous les trucs qu'on peut... Ce soir, ça fait 1h42 qu'on est là, ça n'a pas bougé d'un poil. Le toubib, il n'est pas arrivé, on ne sait pas pourquoi. Il y a déjà une ambiance. Hein? Et alors là, il y a une dame qui a son petit garçon sur les genoux.
Ça, toi, il se fait chier, lui aussi. Toi, donc, il descend des genoux de sa maman, puis il va vers la table, tu sais, où il y a les revues au milieu. Hein? Et là, il commence à prendre une revue, puis hop, il la déchire bien, comme ça, toi. Hein? Fait une belle petite bande, comme ça. Hop, il prend la revue d'à côté, toi, qu'il la déchire aussi, hein. Ah, sa maman, à la place, elle fait, bah, Titi, qu'est-ce que tu fais, mon Titi? Faut pas déchirer les journaux. Hein, maman, elle veut pas que Titi déchire les journaux. Allez, viens, mon Titi, viens sur les genoux à maman. Ah, hop, Titi, reviens, elle remonte sur les genoux. À sa mère, deux minutes après, il redescend. C'est la star, hein, dans la salle d'attente, hein. Hop, il retourne de l'autre côté, là, il prend une troisième revue, hop, il la déchire bien, clac, il en prend une quatrième à côté, et là, alors là, sa maman, elle fait, ah, oh, Titi! Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Maman, elle a dit, elle aime pas quand Titi, il fait ça! Faut pas déchirer les journaux! Allez, tu viens sur les genoux à maman! Ah ouais, Titi, il revient, là, il remonte même pas sur les genoux à sa mère, hein, il lui fait juste un petit sourire, tu sais, d'un air de dire, je t'emmerde. Et alors, au bout de la huitième revue, le hurlement primaire. Alors, je vous explique comment je fais. Donc, moi, je me lève, je vais voir la bonne femme et je lui dis, mais laissez-moi y mettre une claque dans la gueule. Je dis, attendez, j'explique, hein. Je dis, lui, il va vous aimer pareil qu'avant, ça va rien changer. Moi, il va me détester, mais on s'en fout, on se connaît pas. Par contre, ça va détendre tout le monde dans la salle d'attente. Et toi, connasse, ça le dira. Pas de furoncle. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, on est cinq de front, en bagnole, arrêté au feu rouge, hein, et on attend que le feu passe au vert. Situation classique aussi, hein. Cinq mecs normaux, hein, dans Paris. Donc, les yeux hagards, la bave aux lèvres et tout, enfin bon, hein. On a tous des trucs à faire, hein, toi. Et alors, au moment où le feu passe au vert, à ce moment-là, il y a un piéton qui s'engage. Vous l'avez, celui-là. Hein, on en a tous des dizaines. Parce que si c'est une vieille dame qui boite en s'excusant comme ça, toi, hein, on est des gentlemen. Hein. On dit, allez, mange-toi le cul, la vieille, mange-toi le cul. Allez, dégage. On est des gentlemen. En revanche, quand il s'agit d'un jeune trou du cul qui passe comme ça, en regardant les cinq chauffeurs dans les yeux, il y a un moment, il ralentit. Tu dis, s'il ralentit encore, il recule. Hein? Avec le sourire d'un air de dire, je t'emmerde. Bon, ben là, si jamais t'as pas le réflexe de pratiquer immédiatement le hurlement primaire dans la bagnole, qu'est-ce qui va t'empêcher un jour de passer la première et d'y rouler sur sa sale petite gueule de con à ce mec-là? Rien. C'est pour ça que je dis, faut pratiquer le hurlement primaire. Ça peut éviter la violence, le passage à l'acte, justement. Hein, on peut le pratiquer partout, c'est gratuit. Pas besoin de prendre une carte au gymnase club. De toute façon, on n'y va jamais au gymnase club. Hein, faut pas me raconter de conneries. Hein, on y va deux fois, trois fois. Par contre, les cartes, on les paye, hein. Ça, tu peux y aller. 3, 4, 5 000 balles, hein, là. Et tu dis, alors, tu y es allé, alors, et t'as perdu combien? 5 000 balles. Mais c'est vrai. Alors, je dis, alors, on peut le pratiquer partout. Là, on vient de voir dans la bagnole, mais c'est vrai, n'importe où. Regardez, au téléphone, par exemple, mesdames et messieurs, au téléphone. Le téléphone, ça gonfle énormément. Hein. À lui tout seul, le téléphone, c'est énorme. Tu sais, quand tu essayes de joindre quelqu'un dans une grosse société, c'est très important pour toi, évidemment. Ça fait 20 minutes que tu as le téléphone sur l'oreille. Tu vois, tu as déjà eu 3 secrétaires, tu as l'oreille rouge. Tu vois, il est brûlant, le truc, tu peux plus le tenir.
Oui, comme un con, t'as pas pensé à changer d'oreille, toi. Toi, des fois, on est con, hein. Alors, du coup, t'as une oreille normale, puis t'as l'autre qui est... Tu sais, t'es fait bouffer la moitié du cerveau par les micro-ondes. T'as de la compote de pommes à la place du cerveau, tu sais. T'as... Tu sais même plus ce que tu voulais demander. T'as le quotient intellectuel d'un bulot cuit, tu vois. Tu sais, avec la capsule ouverte, le arc, comme ça, toi, hein. Avec les trucs d'Octéa. Et alors, au bout de la 22e minute, tout d'un coup, t'entends « tudut », tu regardes « ah !» Il reste plus qu'une bûchette à la batterie, ça va couper. Et à ce moment-là, t'as la quatrième secrétaire, tranquillement, qui dit « vous êtes ?» Alors là, quand il reste plus qu'une bûchette à la batterie, faut pas hésiter, le hurlement primaire. Quand on dit « vous êtes », tu dis « je suis grand, brun, je fais 1m80 !» Et là, je viens de m'envoyer 22 minutes de Vivaldi, là, déjà. Et j'ai déjà donné mon nom et mon prénom à 3 connasses comme toi. Alors maintenant, tu vas te faire reculer. Chat. Ah, ça fait du bien, hein. Hein? C'est vrai, parce qu'il y a des fois, on se sent tout seul. Hein? Même au milieu de la foule, hein, on se sent tout seul, des fois. Regarde, tiens, avec les beaux jours encore, les terrasses de café là, qui sont à nouveau bondées dans Paris, t'as vu? C'est quand t'es au milieu des gens comme ça et que le garçon, il te voit pas. Il a vu tout le monde, sauf toi. Tu passes pour un con près de toute la terrasse. Toi, ça fait 5 fois que t'as fait « Tiens, s'il vous plaît !» T'as jamais vu. Donc là, alors là, pas de panique, hein. Là, tu prends le portable, pareil. Tu fais Pizza Express ou n'importe quoi. Tu commandes une belle 4 saisons avec 1 litre de rouge et tu manges tranquillement. Comme ça, bah, quand le garçon, il a enfin décidé à venir te voir, toujours un petit mot gentil, « Va te faire enculer. » Bon, là, c'est le hurlement « cool ». C'est-à-dire, tu règles le problème avant et tu fais quand même un petit hurlement cool pour bien nettoyer, tu vois. Au cas où il resterait des trucs, tu vois, comme ça. Hop. Tiens, il y en a une qui queen un petit peu, vous avez vu? Faudra la faire graisser, monsieur, hein, c'est rien à faire, mais... Oui, si, vous allez être emmerdé, vous allez voir. Faites-le maintenant, hein. Alors, Parce que des fois... Des fois, c'est l'inverse. Des fois, t'es au milieu de la foule et il y a quelqu'un qui t'a vu, toi. Mais il a vu que toi, lui, hein. Par contre, toi, tu voulais pas le voir, hein. Ah non, d'ailleurs, personne voulait le voir, ce gars-là, parce que c'est le genre de mec qui pue de la gueule. Non, mais parce que, tu sais, le mec, il mâchouille le dernier tiers de son cigare. C'est une infection, tu sais, quand il mâchouille la faim. C'est immonde, quoi. D'ailleurs, on appelle ça le purin, d'ailleurs. Hein, les amateurs de cigares savent ça. Hein, dans un cigare, le premier tiers, on dit c'est le foin, après le divin, au milieu, et après le purin. Tu vois, c'est, le mec, il a une haleine, c'est entre le pet de Tekel, tu vois, et le purin. Tu vois, c'est un mélange comme ça. Avec sa petite coupe de champagne, il postillonne à mort. Tu vois, alors toi, tu recules au milieu des gens en essayant d'éviter les plus gros. Là, t'es là, hop, ah, oh la vache, celui-là, il était énorme. Et puis, tu recules, et puis à un moment, il y a le mur, le buffet. Là, t'es dans les cordes, ça fait 1 minute 30 que t'es en apnée, comme ça. Ah, parce que c'est le genre de mec, non content de t'emboucaner, c'est le genre de mec, quand il te parle, tu sais, il te rentre le doigt dans les côtes, comme ça. Il y a des gens comme ça, ils rentrent 1 centimètre de doigt dans les côtes. Là, il dit, moi, j'ai dit au mec, alors là, faut pas hésiter. Là, c'est le hurlement primaire et le coup de boule, tout de suite derrière. Donc, je vous le fais. Donc là, tu fais comme ça, tu fais... on t'a jamais dit que tu pèles la gueule ? Boum ! Et là, vous allez voir, si vous faites ça, mesdames et messieurs, vous allez voir le gars devant vous, par terre, dans une mare de sang. Et vous allez bien regarder dans les yeux du gars. Et vous allez voir comme de la reconnaissance... Parfois même un peu d'admiration. Mais surtout un grand respect pour quelqu'un qui se bat, tout simplement, pour pas attraper un cancer dans 10 ans de l'anus. Hey!
Merci, les amis. Bon, allez, je lève la punition. Merci, hein, c'est super sympa. Eh bien, si je vous disais maintenant, mesdames et messieurs, qu'on va attaquer tout de suite, là, le dernier tiers de ce spectacle vivant. Incroyable. Eh bien, si. Regardez, il est 10h moins 2. Non, non, regardez pas, hein, j'ai pris ma montre exprès. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, hein, que les gens qui essayent de regarder l'heure. C'est ceux qui sont dans le noir, surtout, tu sais, ils cherchent un rayon de lumière, tu sais. Attends, pousse-toi, pousse-toi. Tu vois, non, non, ça va, je contrôle, hein, les moins 2, presque moins 1. Je contrôle parfaitement la situation, c'est vrai, on va attaquer le dernier tiers. Et j'aimerais dès maintenant rendre un hommage, mesdames et messieurs, à quelqu'un de son vivant, à lui aussi, parce qu'on attend toujours que les gens soient morts, hein, pour leur rendre un hommage, je trouve ça lamentable. Et moi, je voudrais lui rendre un hommage parce que je l'aime évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui dois d'ailleurs en grande partie, hein, d'être devant vous ce soir, et une grande partie de ma carrière, je déconne pas, hein, tellement, j'ai pas honte de dire, hein, que je m'en suis inspiré, tu vois, c'est mon Jedi à moi, quoi, de l'humour, tu vois, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, avant de vous parler de lui, il faut que je vous explique que les critiques de spectacle sont pas invités à Bigard Mel Paquet, hein. Non, 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 on les a pas invités, on a... Ouh là là, non, on a... Ah bah déjà, quand j'essaye de faire propre, il me chie dessus, alors là... Non, 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 là, c'est un spectacle qui est trop coloré, tu vois. Non, surtout après, tu vas voir, c'est pire. Et donc, si, si, tu vas voir, oh là là. Et, alors, bon, on les a pas invités, on leur a pas fermé la porte au nez, hein. Non, non, on s'est contenté de pas envoyer de dossier de presse. Hein, donc, tu vois, quand on fait un spectacle, on envoie des dossiers de presse avec des invitations. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans, hein. Pendant 15 ans, ils sont tous venus à chaque fois, et tous, ils m'ont poignardé le cul à chaque fois, tu vois. Hein. Donc là, j'ai dit, cette année, je vais attendre que ça cicatrise un petit peu. Hein, on n'est pas pressé, hein, de les faire revenir à notre coup, quand ça ira mieux, tu vois, parce que... Genre... Alors donc, bon, alors donc, si tu veux, ils viennent s'ils veulent, hein, mais ils payent, comme tout le monde. Hein. C'est toujours ça de prix. Et donc, oui. Alors, je n'ai aucune animosité, hein, contre les critiques de spectacle, comme vous pouvez le sentir. Hein. Non, c'est vrai, pas plus que ça. Alors là, c'est vrai, ils n'ont jamais fait venir une seule personne dans ma salle. Hein. Ils ont toujours dit que j'étais un gros con vulgaire, tout ça. Mais ils n'ont jamais empêché personne de venir. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Alors, donc, mais pour les brocarder un petit peu, parce qu'ils sont très énervés après nous, hein, les spectacles seuls en scène. Ce que je refuse d'appeler one-man show, tu sais, dans la langue de Molière. C'est one-man show. Hein, donc, ils sont énervés par les gens seuls parce qu'on écrit, on se met en scène, on fait plein de monde, plein d'argent et tout. Alors, ça les énerve beaucoup parce que, du coup, bon, les critiques, eux, ils ont jamais rien réussi nulle part. C'est pour ça qu'ils ont fait critique, hein. Bah oui, sinon ils auraient fait quelque chose. Ils auraient pas critiqué. Ah ouais. T'as aucun intérêt d'être critique. Hein? D'ailleurs, tu le vois bien. Tu sais, quand c'est chacun son tour de balayer l'appartement. Hein? Quand c'est pas ton tour de balayer, par exemple. Toi, t'es dans la banquette, tu sais, tu regardes comme ça. Hein? Eh ben, tu vois toujours où l'autre, il est pas passé. T'attends la fin comme un péteux. Et puis, à la fin, tu dis, t'es pas passé, là. T'as vu le petit triangle, là, il y a une miette de pain, t'es pas passé. Eh oui, bah t'avais qu'à le faire, connard. Alors, donc c'est vrai, donc, critique, mais alors, pour les brocarder un peu, c'est vrai qu'ils sont intrigués, ça doit être l'angoisse de la page blanche, je sais pas quoi. Du coup, ils nous posent des questions très, très cons à nous, tu vois, parce que, alors par exemple, ils nous disent, alors, tu vois, l'hésitation du critique, tu vois, est un peu perdu. Ils nous disent, dites-moi, alors vous puisez votre inspiration, alors, dans la vie de tous les jours? Alors moi, je dis non, uniquement le mardi et le vendredi. Pas les autres jours, ils sont pas bons les autres jours. Tu vois, alors la réponse est oui, hein, je puise tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. Je puise tout le temps, ça vous dit, tu vois. Il y a une autre question très con aussi, là, ils prennent bien leur élan, ils nous disent, alors, dites-moi, quand vous étiez petit, ah, est-ce que vous faisiez rigoler vos petits camarades de classe? Ah, c'est une bonne question, ça.
Ah, alors moi, je dis non, non, c'est venu à 35 ans. J'ai cogné la tête dans la porte des chiottes et hop, je suis devenu drôle. Avant, pas drôle. Après, drôle. Drôle et vulgaire, puisque c'était la porte des chiottes, hein, je vous rappelle. Hein. Si, il faut bien leur expliquer, sinon ils ne comprennent pas. Alors là aussi, la réponse est oui. La réponse est oui, oui, oui. Je vais même vous dire un truc, c'est une question de vie ou de mort. Pour moi, d'avoir fait ce métier depuis tout petit, c'est pour être aimé. Il n'y a aucun doute là-dessus. On n'est pas gynécologue pour rien ou machin. Si, j'aurais bien fait, moi, gynécologue, remarque. Mais au noir, tu vois, comme ça, le soir. Ça permet de toucher du poil quand même, et puis... Et puis tu fais des petits bilans, tu regardes, tout, bon, ça peut être sympa, mais enfin bon, mais j'ai pas fait, mais c'est vrai, non, c'est un... Mais ça, on peut pas y penser tout petit, mais là, par contre, c'est vrai, regarde, pour être aimé, hein, quand t'es petit, t'as pas 36 solutions, c'est où t'essayes d'être dans les premiers de la classe pour faire plaisir à papa et à maman, ou alors tu pètes la gueule à tout le monde à la récré, donc on te regarde gentiment, tu vois, ou tu fais rigoler tes petits camarades. Bon ben moi, je faisais rigoler mes petits camarades. Et moi, je leur pétais la gueule aussi à la récré. Hein, comme ça, ils avaient deux trucs, c'était mieux. Bon, mais c'est vrai, moi, je me souviens que dès l'âge, sérieux, hein, dès l'âge de 9, 10, 11 ans, si jamais le prof, il partait 5 minutes de la classe pour une raison ou pour une autre, je sautais sur le bureau et moi, je faisais des sketchs entiers à mes petits camarades qui étaient ravis et qui n'attendaient que ça. Je leur racontais... N'importe quoi, hein. Je racontais mes vacances. Par exemple, je disais, on était en vacances avec papa. Moi, en vacances, moi, j'ai vu papa sauter du plongeoir de 10 mètres. Hein. On pensait pas que le vieux aurait eu les couilles de... Lui non plus, hein, d'ailleurs. Hein. Il a glissé sur une savonnette. Hein. Sur le ventre qu'il est arrivé. Pas le sien, hein. Il y avait un gars qui faisait la planche en dessous. 8 jours au fond, il est resté, le gars. Ah bah, ça va qu'il n'y avait pas d'eau, sinon il était trempé. Tu vois? Alors... Non, mais attends, mais tu sais qu'après on est revenu de vacances, on a fait Marseille-Paris dans notre voiture à nous, hein. Ah, on a ramené tout le monde, hein. Toute la famille, le grand-père, la grand-mère, tout le monde. Hein? On a même emmené des gens qu'on ne connaissait pas, hein. Ah, si, qu'on avait accroché au pare-choc. Ah bah, il y en a un, il s'est décroché à Étampes. Oh, il gueulait, le gars, hein, il était pas content, hein. Bon, s'il dit, moi, j'habite la Canebière, alors... C'est vrai que Étampes, la Canebière, ça fait une balade, hein, quand même, hein. Bon, enfin, ça s'est bien terminé. Après, il s'est fait accrocher par un camion qui repartait là-bas, mais enfin, bon... C'est un gars qui était usé, hein, moralement, hein. Surtout que, comme il dit mon père, hein, une veine pour lui qu'il est reparti sur le dos. Parce qu'il y a des endroits qui n'auraient pas supporté l'aller-retour, hein. Sur une distance comme ça, hein, tu vois. Mais je vois, papa, moi, il est bricoleur, hein. Tiens, l'autre jour, il fallait ramener la cheminée, hein. Eh ben, il a dit, je vais le faire, hein. Tout seul. On va pas appeler les ramoneurs pour ça. Et il l'a fait, hein. Tout seul, hein. Ah, ben, les ramoneurs sont pas venus, hein. Les pompiers, oui. Bah oui, pour dégager papa, forcément. Non, mais je vois, à ce moment, Justement, papa, il met de l'huile dans les serrures. Ah oui, il plaisante pas, hein. Quand il met de l'huile, il met 2 litres d'huile par serrure. Donc ça fait à tout casser 1 demi-litre dans la serrure et 1,5 litre par terre. Mais mon Dieu, c'est fou depuis le temps qu'on gagne à la maison, hein. Ah, mon vieux, en ce moment, entre deux portes, que tu vas dans le bon sens, mon vieux, tu fais 5 mètres d'un coup. Hein. Ah bah, moi, à la maison, moi, j'ai vu papa traverser le salon avec un plat de lentilles, hein. Sur un pied, comme ça. Bon, le plat de lentilles, il tenait à l'envers depuis la cuisine. Hein, mais enfin bon, j'aurais vu penser, waouh, mon Dieu, tu vois. Ben, vous voyez, mesdames et messieurs, tous ces petits bouts de sketch que je viens de vous faire à l'instant, eh ben, ça a 45 ans, exactement. Oui, madame, c'était Monsieur Robert Lamoureux. Voilà, on peut l'applaudir très fort, Robert Lamoureux! Merci les amis, merci pour lui.
Merci, ton ventre, ça a 45 ans. Et là, je peux vous dire que je suis dans ma spécialité. Hein. Je peux vous dire qu'on ne fait rien de plus rapide, de plus efficace que ça. Vous avez vu les images, là ? Hein, il faut suivre le mouvement, hein, t'es obligé de les fabriquer. Il y a un rire toutes les 5 secondes et tout. C'est lui, Robert Lamoureux, l'inventeur de l'ellipse, du gag à tiroir. Enfin, c'est lui qui disait, on roulait, on avait passé la luzerne depuis un moment, on attaquait le blé noir. Hein. Oui, parce que le seigle, on l'avait fait l'an dernier, il n'y avait pas de raison qu'on y retourne, tu vois, c'est génial. Ça a 45 ans, tu vois, et c'est le grand oublié, hein, Robert Lamoureux. C'est pour ça que je voulais lui rendre un hommage, aussi parce que c'est mon Jedi. C'est vrai, moi je m'en suis vraiment inspiré, mais c'est le grand oublié. Vous savez, on passe tout le temps de Fernand Reno à Coluche, hein, j'adore les deux, mais on oublie systématiquement Robert Lamoureux. Moi, devant la télé, je pousse des hurlements primaires. C'est vrai, en mode, ce mec-là, il a mis tout le monde d'accord pendant une bonne douzaine d'années. Ensuite, excusez-moi du peu, hein, il a juste écrit 16 pièces qui se sont toutes jouées plus de 1000 fois. La dernière pièce de Robert Lamoureux se joue en ce moment au Théâtre Saint-Georges. Hein, donc une carrière extraordinaire. Tu vois, il a 80 ans, mon Robert Lamoureux. Donc je suis bien content de l'avoir souvent au téléphone. D'ailleurs, il me dit, tu sais, il y a 45 ans, hein, c'était pas des shows Varilight comme ça de 2 heures. C'était plutôt 45 minutes, tu vois, première partie d'un spectacle. Et il me dit à l'époque, d'ailleurs, il était bon ton, tu vois, de faire un sketch, une chanson, un petit poème. Tu vois. Et il dit, ça marcherait plus, ça, maintenant, et tout. Ça marcherait plus. Ben, en attendant, pour finir de lui rendre un bel hommage, et avec son accord, bien sûr, hein, eh ben, je vais vous réciter un petit poème que Robert Lamoureux a écrit. Écoutez, c'est 2 minutes 15 secondes d'Alexandrin de Robert Lamoureux. On va le faire à l'ancienne, comme il y a 45 ans, pour que ce soit plus joli. Tu vois, donc on va prendre un vieux micro-fil. Enfin, un vieux micro, c'est un micro neuf, hein, mais comme il y a 45 ans. Hein, vous comprenez ça? Et donc, on va abandonner la technique. On va garder que la poursuite d'Anne-Marie, hein, comme à l'époque. Et quand vous aurez écouté ce petit poème, eh ben vous ne serez plus jamais fatigué de votre vie pour la bonne raison que ce petit poème s'appelle précisément « L'éloge de la fatigue ». Écoutez ça. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais, grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait l'œil morne, le front lourd, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre sans user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer.
Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Robert Lamoureux ! Hey ! Hey ! Ah, vous avez vu, hey ! Vous n'allez pas me dire, ça, c'est pas un poème qui met le paquet, hein ? Ah, je suis doublement content à ce moment-là du spectacle parce que je suis applaudi comme interprète. C'est génial. Et vous imaginez pas à quel point, quelle sensation, même hein, physique, vous procurez aux gens qui sont sur scène quand vous les applaudissez. Hein, toi, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour être aimé, mais c'est vrai. Toi, les applaudissements, c'est un son, c'est une vibration d'amour. Hein, quand ça t'arrive, comme ça. En pleine gueule, tu sais, des fois... Non, mais je vous explique. Non, vraiment, c'est pas... Attends, je ne peux pas. Hein? Non, j'y veux rien. Tu sais, ça, c'est ce que ça fait physiquement, les... Ça te monte, des fois, ça te tire les larmes des yeux. Moi, des fois, quand vous m'applaudissez, écoute, ça me fait comme si on me passait un sèche-cheveux sous les couilles. Je te jure, hein. Non, c'est pour vous donner une idée de ce que ça fait comme sensation. Hein? Bon, là, c'est plutôt les messieurs qui se rendent bien compte, hein, forcément. Hein? Non, les femmes, le faites pas, les femmes. Hein? Non, ça dessèche les escalopes et après, elles deviennent cassantes et puis c'est comme ça qu'on se raye le casque, nous, après. Alors, non, le faites pas. Hein? Alors, vous voyez, pourquoi on n'a pas invité les journalistes? Et donc, alors maintenant... Et maintenant, maintenant, on va attaquer la dernière ligne droite hein, de ce spectacle. Et avant de se quitter, je voudrais vous remercier encore hein, d'être venu au spectacle vivant. Je vous invite vraiment à aller voir tous les spectacles vivants. Vous avez vu avec l'Internet qui déboule, maintenant, directement, d'un bout à l'autre de la Terre, à la seconde près, direct du producteur au consommateur. Enfin, moi, je crois que tant qu'il y aura un paquet de gens comme ça qui décideront d'aller dans une salle obscure pour rire ou pour pleurer, tu vois. Moi, je crois que le spectacle vivant va prendre de la valeur de plus en plus, tu vois. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la présence de l'homme est indispensable. Quand je dis la présence de l'homme, c'est la présence de la femme aussi, hein, parce que je vois les deux, là, qui me... Non, c'était un terme générique, bien sûr. Hein. La femme aussi est indispensable, hein. Moi, j'adore les femmes, alors donc, la femme même, je trouve même que les femmes sont irremplaçables. Moi, je vais vous dire mieux, hein, pour vous dire, donc, vraiment, non, je vous remercie. Non, allez-y doucement, vous allez voir après. Et, donc, non, c'est vrai, je pense que la femme est irremplaçable. Bon, on va pas passer toute la soirée là-dessus, hein, bon. Ou alors, peut-être juste si on voulait en dire deux mots. Hein, pourquoi pas? Ah, bien sûr! Pour dire que les femmes hein, sont irremplaçables, regarde, prenons le plus gros macho qui est ici parmi nous ce soir, hein, à part moi de temps en temps, ou même à l'autre bout de la terre, hein, une espèce de grosse brute de militaire sanguinaire de mes couilles n'importe où. Bon, et voyez, tous ont eu besoin d'une femme pour venir au monde. C'est la preuve que la femme est irremplaçable. Si on devait d'ailleurs revenir à notre Bataclan ici, là, ce soir, regarde, tous les soirs, hein, on est presque 1200 personnes entassées là. Ben, je peux vous dire hein, que tout le monde ici, les jeunes, les vieux, les homos, les hétéros, les mamies, les tout le monde, nous tous ici, on sort tous sans exception de la choupinette d'une femme. Alors tous, pas tous, hein, parce qu'il y en a toujours qui tatillonnent un peu, ils ont raison, hein, à l'exception de quelques césariennes. Hein, du type Alien ou Rambo, parce que Rambo il avait déjà son couteau, donc lui il est sorti tout seul, mais il a recousu sa mère après, hein. Ouais, parce que c'est pas un mauvais gars Rambo, hein. Faut pas le faire chier, mais il a un bon fond quand même dans la... Donc il a recousu sa mère. Mais en tout cas, hein, ce qu'on peut dire, c'est à coup sûr, c'est qu'on est tous passés par la naissance, hein, là je suis sûr de pas me gourer. D'ailleurs, on l'oublie un peu trop souvent, ça. Hein? C'est un point qu'on a en commun avec le restant de l'humanité. Faut toujours penser à ça. Hein? Même si vous êtes dans la rue en train de parler avec un gros con, quoi, qui est là en face de vous,
Il ben, faut toujours vous dire que ça a quand même été un bébé. Hein? C'est après que ça a merdé. On sait pas quand, puis hop, il est devenu un gros con. Mais bon, enfin, mais toujours. Hein? D'ailleurs, quand on y repense à notre naissance, à nous, hein? on se dit que c'est un moment, hein? Dans le meilleur des cas, on peut dire, hein, qui se passe presque toujours mal. Hein? Ben, si, faut pas raconter de conneries. Je vous parle de notre naissance à nous, hein, nous, quand on est arrivé au monde. Hein, je parle du traumatisme, hein, de la naissance, hein, vous vous souvenez pas? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, moi. Attends, à peine tu sors la tête de la touffe maternelle. Déjà, si t'as pas le réflexe de te visser pour passer les épaules dans le sens des lèvres, là, tu te retrouves nez à nez avec le trou de balle de ta mère. Tu vois la première image que t'as de ta mère. Quand on sait que c'est la première image qui compte, ah bah dis donc! Elle va ramer pour avoir de l'autorité plus tard, hein, je te le dis! Si peu qu'on lui dise à ta mère, poussez fort, alors là, elle te lâche une caisse dans les trous de nez! Au moment où tu prends ta première inspiration, tu vois! Ça te fait une belle entrée en matière, si j'ose dire, hein! Et encore, je vous parle pas des schtroumpfs, qui arrivent violets! Le cordon autour du cou, la langue comme ça, et il dit, bah, j'aurais bien respiré, mais en fait, comment? Parce que si jamais t'as refusé de prendre ta première inspiration, alors voilà. Là, t'as un grand costaud qui déboule, il t'attrape par les nougats, il te met la tête en bas, comme ça, il te claque le cul, sans ménagement. C'est comme si tu venais de faire une grosse connerie. L'erreur judiciaire d'entrée, plaf! Bienvenue au monde! On va te faire aimer l'an 2000! Bon, attends, toi, t'étais bien au chaud, dans le ventre de ta mère. Tout d'un coup, tu sors, il meule. On t'a pété à la gueule, on t'a claqué le cul et tout. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? Alors, d'un coup, t'as les poumons qui se déplient, l'horreur! Tu souffres le martyr, tu hurles de douleur, tu pleures! Et tout le monde autour de toi sourit! Il souffre bien, c'est génial. On se fout de ta gueule. Quand même rock'n'roll, hein, la naissance, hein. À tel point que des fois, moi, je comprends les violeurs. Hein. Ben quoi? Ben c'est quoi un violeur? Ben c'est peut-être un gars qui se souvient, justement. Lui, dès qu'il voit une choupinette, il dit « Ah, je me souviens ! Hé, Dédé, Raymond, venez voir ! C'est là qu'on a commencé à me faire chier, hein ! Viens ici, salope, que je... » Alors, bah, est-ce que c'est pour essayer de se réengager dans ce putain de tunnel ? Enfin, un morceau, en tout cas. C'est un tunnel où on aurait peut-être jamais dû s'engager au départ, va savoir. Alors bon, je veux pas cautionner les violeurs, hein, loin de là, hein ? Ah non, non, ça, je voudrais jamais qu'on dise un jour ça de moi. J'aime trop les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, et je persiste. Hein. Non, les violeurs sont des gros porcs immondes, des gros dégueulasses. Moi, les violeurs, je les sodomiserais avec un parc-mètre et du verre pilé. 2 heures par jour. Moi, je les attacherais comme ça, à place de la Concorde, avec les Champs-Élysées, là, tu vois. Qui voit quand même quelque chose. Puis les... 2 heures par jour. Et en deuxième semaine, je lui mettrai un double avec de la limaille de fer. Calmerai, moi, les violeurs. Hein. Ah, parce que là, évidemment, là, je vous ai parlé, hein, du côté un petit peu spectaculaire de la naissance. Parce que je parlais du côté bébé. Hein. Je parlais de nous quand on est arrivé. Mais c'est vrai que pour tous les gens qui sont autour, hein, c'est un moment merveilleux. Extraordinaire, magique, il n'y a même pas de mots. Hein, quand je dis que j'aime les femmes, hein, quand on a assisté une fois à ça, on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait faire du mal à une femme? Comment? Bon, une claque dans la gueule de temps en temps, mais ça n'a rien à voir. Elle aussi, elle nous met des claques dans la gueule. Hein? Alors, je veux dire, vraiment du mal, je parle. Alors que les femmes, hein, dès la naissance, elles nous ont fait un cadeau merveilleux. Attends, au milieu, hein, des souffrances, au milieu des contractions et tout, c'est pour ça aussi que je les aime.
d'entrée, elles nous ont fait à nous tous un sublime cadeau. D'entrée, elles nous ont permis de toucher leur choupinette avec les deux oreilles en même temps. Oui, parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas refaire plus tard. Hein. Ah non, moi, j'ai essayé avec ma femme. J'ai dit, je vais l'abîmer. On a arrêté. Hein. Ou alors, il faut une grosse dame, hein, vraiment. Hein, quoi, Surtout si tu veux te mettre dans le même sens. Hein, si tu veux d'abord rentrer les pieds, alors là... Là, faut une grosse dame de 4 mètres de haut, voilà. En plus, là, des 4 mètres de haut, tu vas tomber sur une ronchonne, hein, qui va dire, retire tes tiags, ça va salir, c'est propre à l'intérieur, hein. C'est ça, ronchonne, dès que ça fait 4 mètres, hein. Mais c'est vrai. Alors, moi, j'adore les femmes, mais tu sais, ça expliquerait tout ça. Par exemple, que des fois, le bébé, il va y pas sortir, hein. Eh ben, oui, tu rigoles, mais... Regarde, moi, je voulais pas sortir, hein. Eh ben, je sais pas, j'avais dû flairer le truc, tu vois. Et dis-moi, si c'est pour me faire péter la gueule dehors, merci, hein. Ben, moi, je restais au chaud, bien, là, tranquille. À tel point même que vers 10 mois et demi... les médecins ont commencé à s'inquiéter, hein. Du coup, moi, ma mère me mettait des Legos pour pas que je prenne de retard, hein. Donc, toi, j'avais quand même des trucs à assembler. De temps en temps, un poisson rouge, hop, donc j'avais mes jouets et tout, mais bon... Ah non, mais c'est là, la boîte, même vers 10 mois et demi, il y a carrément un toubib qui est venu avec un porte-voix pour essayer de négocier. Quoi? Il a fait « Jean-Marie, sors! Je sais que t'es là! Ta mère est charnée! Et puis essaye pas de passer par derrière, tu vas te mettre dans la merde tout seul! » Bon, ça rigolait pas. Alors, je déconne, hein. Je déconne, bien sûr, je suis sorti à 9 mois comme tout le monde. Hein. Ah oui, de toute façon, t'as pas tellement le choix, hein, t'as vu? Quand les toubibs ils sont sur le coup, ils te lâchent plus, hein. Dis donc, si jamais tu t'amuses à résister aux forceps, il y en a, ils seraient capables de t'enfumer pour te faire sortir, hein. Il y a des teigneux, ils te mettraient un furet pour aller te déloger, hein. Salaud. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est pour ça que j'aime les femmes, hein, mais je peux vous dire un truc, vous avouez même un truc, c'est que depuis 46 ans, tu vois, que je suis dehors, hein, 46 ans et 2 jours, je vous signale, c'est tout frais, et donc, je vous dis, non, mais c'est vrai, c'est dur, bordel, hein, tous les ans, boum, et là, donc, je disais, depuis 46 ans que je suis dehors, eh ben, je peux vous garantir qu'il y a un moment que je regrette vraiment, eh ben, c'est le moment où ma maman me portait encore dans son ventre, toi. Alors ça, toi, j'y pense souvent, toi, je suis là comme ça. J'y pense. D'ailleurs, à chaque fois, ça me fout en colère, toi. Parce que je me dis, on n'a pas le pot, nous, les hommes, que tu regardes bien. Hein? On est quoi, nous, les hommes? Réponds. Toi, tu trouves même pas les mots. J'ai juste... hein? C'est vrai, on n'est pas grand-chose, quand tu regardes bien. Si on recompte un petit peu, regarde, on sort de la choupinette des femmes. Elles deviennent la mère de nos enfants, nos maîtresses, nos mamies. On est cernés par les bonnes femmes, nous, hein. On est quoi, nous, on est une petite bouche de canne qui fait la canne, hein. Hein? On est là, on est là. Tu vois, je trouve ça injuste, moi. Regarde, on cherche des injustices. Partout, hein, pour se foutre en pétard, hein, tous les jours, hein, en ouvrant le journal, en allumant la télé, le moindre truc, on dit « Regardez-moi encore cette bande d'enculés !» Bon, eh ben, regarde, en voilà une d'injustice. C'est d'être un homme, tout simplement. Regarde, nous, pourquoi? Nous, on connaît... On connaîtra jamais, nous, les joies de la grossesse. On portera jamais un bébé dans notre ventre. Jamais! Tout ça, pourquoi? Je sais pourquoi, hein. Tout simplement parce qu'il se trouve qu'on a des organes externes. Hein. Ce qui, entre nous, est un petit peu plus hygiénique. Ben, n'empêche que nous, on n'a rien à cacher.
Le tout est dehors, c'est nickel. Un petit peu de fromage de temps en temps, mais c'est pas méchant. Hein, les gars? Bon, alors. Eh ben oui, ben en attendant, les femmes, on s'excuse, hein. Mais nous, quand on descend à la cave avec vous, on sait jamais sur quoi on va tomber avec vous, hein. Et là, c'est pas moi qui parle, hein, c'est le Larousse médical. Dis donc, entre les glaires, les pertes blanches et les mycoses, hein. Ouais, ben on demande pas de médaille, mais un petit peu de respect. Le client est roi, quand même, hein. Hein, les gars? Voilà. Écoutez-les, les gars, écoutez-les! Elle cherche à communiquer avec nous maintenant! C'est de là que viennent les problèmes! Tu vois, attends! J'adore les femmes, mais des fois, je ne les comprends pas! Regarde, au lieu de profiter du vide intellectuel qu'elles ont naturellement au départ. Ben, ça y est, là, j'en ai remonté 600 d'un coup, là, t'as vu? Et attends! Et encore heureux! Encore heureux! Encore heureux! Qu'un travail égal, on gagne plus! Hein, les gars? Bon, alors! Vous avez vu? Vous entendez, les gars, c'est pas le moment de mollir, hein, moi, je vous le dis, hein. Vous les avez entendus, hein, comment elles sorbiffent, hein. Là, si on laisse faire, vous allez voir que dans pas longtemps, elles vont nous réclamer un orgasme à chaque rapport. Ça nous pend au nez, ça, les gars. Alors là, à propos de l'orgasme, je rappellerai aux femmes que j'adore. C'est pas ça, la question. Alors... Je rappellerai que pour que l'humanité subsiste... Je dis pas n'importe quoi, là. Pour que l'humanité subsiste, il est nécessaire que l'homme jouisse. C'est... Ben, ça, c'est les premiers jets, hein. Après... Et après, poc sur la basket. Moi, j'aurais dû appeler mon spectacle comme ça, poc sur la basket. Tu sais, pour Télérama ou Le Monde. Poc sur la basket. Alors, et d'ailleurs, là, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, justement, par rapport, moi, au respect que j'ai pour les femmes. Eh ben, tu vois, on parlait des films de cul tout à l'heure, hein. Eh ben, je vais vous dire, eh ben, moi, je suis contre. Parfaitement. Parce que, justement, un film de cul ne respecte pas les femmes. Alors, vous avez vu, ça fait pas poc sur la basket, hein. Déjà parce qu'ils n'ont pas de basket, hein. Non, vous avez vu quand ils tirent sur leur grand tuyau, là, comme ça. Ils en retirent de là-dedans des quantités, hein. Tu sais, quand ils mettent sur les fesses de la fille. Voilà, donc, question procréation, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord, hein. Ils sont là, tu vois, mais comme ils en ont beaucoup, ben, ils en mettent un peu partout. Ils... Sur les seins, tout, machin. Ah, quoi? Puis non, il y a des gosses qui regardent, hein. Alors, je me suis renseigné, ils n'ont pas du tout la maladie de Parkinson, hein, pas du tout. Non, non, manifestement, ils veulent rien mettre dedans. Donc, eh ben, c'est honteux! Honteux! En plus, ça fausse tous les calculs, hein. Bah oui, parce qu'après, nous, nos femmes, elles nous disent, ah bah oui, mais sur la cassette, c'était plus gros. Bah, c'était plus gros. Attends, c'est des bestiaux d'élevage, hein. Ça correspond pas du tout à la moyenne, hein, pas du tout. Moi, je rigolerais, moi, de temps en temps, qu'ils mettent un mec normal dans la bande, hein, pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Ah, moi, j'ai essayé, hein, moi, je vois, par exemple, moi, quand je la tiens comme ça, bon, j'en vois encore un bout qui dépasse, hein. Bon, mais moi si je mets deux mains, moi, je vois plus rien. Bon, ben, il y a encore ça qui dépasse. Alors, c'est normal. Allô? Ah, mais... On a tous essayé, tous! Moi, j'ai essayé de faire l'amour à ma femme sur la table de la cuisine, comme ça. Bon, déjà, elle a gueulé parce que c'était froid, puis ça collait.
Ouais, ça, on n'en parle jamais dans les, films de cul. Bon, tu sais, pour essayer d'y faire l'amour comme ça. Je vois pas tellement l'intérêt, hein. À part si elle a mangé de l'ail avant, ou si tu veux finir Colombo tranquillement. Mais enfin bon, normalement, t'es à ce que tu fais, mais enfin bon. Bon, ben moi, je voyais ça. Moi, si je vais y faire l'amour comme ça, ma femme, ben moi, il me manque ça. Je suis honnête. Et en admettant, que j'ai un copain qui filme. Bon, imagine, je suis comme ça. Bon, tu sais, s'il me dit, attends, il dit, attends, écarte-toi un petit peu parce que je vois pas bien. Et je dis, moi, si je m'écarte, je sors. Ok? J'ai peu de respect. Bah alors. Ouais, mais vous savez, là, je m'adresse aux gars, là. Hein, vous savez, ces gars-là, il faut pas les envier, hein. Ah non, c'est des malheureux, tu sais. Bah, tu sais, tout ce qui rentre, hein, faut le ressortir après, hein. Et puis, faut le re-rentrer, hein. Et vas-y, les reins, comment ils dérouillent, hein. Eh oui, parce que là, ils sont jeunes, ils souffrent pas encore, hein. Et tu vois, vers 50, 60 ans, les lumbagos qui se tapent, les gars, hein. Alors que nous. Et même, je vois, les filles, ils les font sucer beaucoup trop jeunes. Là, c'est les cervicales qui trinquent, là. Tu sais, avec les grands bazars, ils sont là comme ça. Hein? Moi, j'ai vu des arthroses, moi, à 35 ans, moi. Des arthroses, comme mamie, là, moi, des arthroses. Alors que nous, non. Ce que je veux dire, c'est que nous, les petites bites, on respecte les femmes, et puis c'est tout. Hein, les gars? Ouais. Allez, là, je viens de vous dire, vous aviez tous des petites bites. Faut pas dire oui à chaque fois non plus. Je vais dire les bites normales. Hein? Ouais. Finalement, il y en a pas tellement, hein? Il y a un petit groupe là-bas, bienvenue les gars. Ouais. Non, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, là, dans mon explication, je voulais dire, à propos de l'orgasme, puisqu'on en était là, hein, je voulais dire, heureusement encore qu'il nous reste un truc à nous, les hommes, hein, d'intéressant quand même à faire, hein, bye, hein, si tu te fais chier, hein. Quoi que je t'ai pas vu. Si, elle va comme ça, faire. Hein? Alors, ce que je voulais dire, parce que je parle des hommes, c'est pour ça, mais. Et nous, il y aurait reste quand même un truc intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que à part dans les films de cul, c'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse pour que tout le monde comprenne bien. Je veux dire, à part dans les films de cul, en général, l'homme, à propos de l'orgasme, on en était là, l'homme jouit utile. Alors que les femmes, c'est pas du tout utile. Eh ben, c'est un cadeau de temps en temps. Et puis c'est jour de fête. Et puis c'est un cadeau. Alors coucou. Non, j'arrive pas à les calmer, ce soir, hein. Attends, là, je vais les rafraîchir, tu vois. Alors, là, vous chantez un petit peu moins fort, hein, maintenant, hein. Alors, oui. Évidemment, ça piaille au balcon, hein. Mais ici, elle bouge pas une oreille, ici, hein. Elle fouette, là. Alors, tu vois, attends, je vais en boire un petit peu de rond. Ouais, là, c'est bon, là, ouais. Allez, sortez les gars, je voudrais pas vous mouiller. Non, je suis inquiet surtout pour celle qui va prendre le verre. Alors, là c'est lourd, hein, le verre quand même. Alors, non, ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est vrai que j'adore les femmes. Aucune femme ici ne doute, hein, que je les adore. J'ai envie de leur dire, soyez gentilles un petit peu. Si, attendez, là je m'adresse aux femmes, là, uniquement. Les femmes. Soyez pas trop difficiles avec nous. Vous voyez pas ce qui se passe, les femmes? Vous voyez pas? Ah là, je suis sur le cul, là. Non, attends, parce que c'est dans des proportions énormes, hein. Vous voyez pas que de plus en plus, nous, les hommes, en général, on préfère de plus en plus les hommes. D'ailleurs, moi, je trouve ça très bien.
Ça va permettre aux petits gros de bourrer aussi, y a pas de raison. Ce qu'il y a, c'est que je suis un petit peu inquiet parce que ça va tellement vite dans l'autre sens. Écoute, je me demande si je vais pas être carrément le premier artiste à avouer publiquement, dans les journaux, partout, sur scène, carrément à avouer son hétérosexualité. D'ailleurs, avec ma femme, on a commencé, on se cache plus. On s'embrasse dans la rue devant tout le monde. Là, rien à branler. Je voudrais dire aussi pour finir que je connais pas mal d'artistes, hein. Hétéros comme moi, hein. Il y en a encore. Et qui ferait pas mal de l'avouer aussi. Merci, mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, ben, je vais vous demander tout simplement de partir. Ah, je déconne. Bon, d'accord, une condition, hein, c'est vous chanter avec moi, hein, OK? Ben, sérieux, hein, parce que, je veux dire, c'est spectacle vivant, hein, je vais me retrouver comme un con. Avec le micro, là, il faut pas me laisser tomber. Vous l'avez entendu, la chanson, d'ailleurs, un petit peu, hein, tout à l'heure, hein. C'est une chanson qui dit qu'on va mettre le paquet, hein. Donc, là, le week-end qui arrive, hein, donc, faut y penser. Vous répétez après moi, tu sais, le refrain. Il y a un moment, je dis, et on va mettre le P, et on va mettre le P, et on va mettre le A, et on va mettre le A, et on va mettre le Q. Et on va mettre le Q. Hein, c'est pas mal. C'est mou, quoi. Non, j'ai vraiment besoin d'être sûr, hein, parce que sinon, je le fais pas, quoi. C'est sûr, vous allez chanter avec moi? C'est marrant, j'ai pas confiance. Je te jure, je vais prendre une paire d'otages. C'est que je vais prendre comme otage. Tiens, par exemple, toi, tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Et toi? Nicolas, viens ici, Nicolas. Vas-y, Nicolas, monte. Voilà, et toi? Comment? Karen. Karen, vas-y, Karen, monte. Vas-y, aide-la, Nicolas. Voilà. Alors. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, si vous voulez revoir vivant Karen et Nicolas. Ne serait-ce que pour leurs amis qui sont ici. Des amis à vous? On s'en fout. Vous aussi, ouais. On s'en branle, on peut les garder finalement. Tu les as attachés, Marcel? Ouais, génial! Bon, alors. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer le rideau, parce que c'est un rideau suisse, il est hyper lent, on a toujours peur de louper le dernier métro et ce truc-là. Donc, et mes petits gremlins qui sont là-haut, quand le rideau, il va toucher le bout, ils vont tout envoyer en même temps. Hein. Et puis vous, vous tapez dans les mains, vous chantez et tout. Hein. Donc la lumière, tout et la musique. Attention, Léa! Allez, vous allez chanter donc avec Martial et Bruno, hein, d'accord? Alors, tout près du micro, hein, les filles. Hein. Ne soyez pas emmerdés, hein, ok? Attention!
c'est Bigard, B-I-G-A-R-D. L'affiche, un slibard. Le titre, on met le paquet. Mon prénom, Jean-Marie, facile à se rappeler. Marie comme la Vierge, ça, ça vous fait marrer. Dès mon tout premier cri, en pétant dans ma couche, les mots poil, bite et cul me sont venus à la bouche. Depuis, je me torche gaiement avec les bonnes manières et je réponds aux tartuffes avec des cris primaires. On est tous fait pareil, mais faut faire attention. Si t'es pas vigilant, tu peux devenir très con. Ouais, très très con. Et regardez qui c'est qui arrive, Nicolas et Karen, tout près du micro avec eux, attention. Et on va mettre le B. Et on va mettre le A. Et on va mettre le A. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le E. Et on va mettre le P. Et on va mettre le A. Et on va mettre le A. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le Q. On va mettre le paquet. On va mettre le paquet. On va mettre le de naissance, qui est un moment magique. Merci, merci, maman et papa, qui a eu la trique. Aux plus belles cathédrales, il y avait des gargouilles. Et ben moi, je grimace pareil, mais je peux me gratter les couilles. Et s'il m'arrive parfois de me courber dans la rue, c'est pas par allégeance, mais pour montrer mon cul. Le cul, c'est bien utile, surtout quand on te fait chier. Alors faites comme moi, bordel, il faut évacuer. Et maintenant, on va chanter, casser les apparences. Putain, vive la vie, l'amour et l'insolence. Allez, avec Nicolas et Karen, le dernier refrain, tous ensemble. Après la guitare. On va mettre le P. Et on va mettre le P. Et on va mettre le A. Et on va mettre le A. Cop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attends, Karen et Nicolas, extraordinaire, on peut les applaudir. Très beau. Hey, allez, je libère les otages, vous pouvez y aller. Y a un petit bisou à moi. Allez, allez-y, un petit bisou. Allez, se barrer, ça me faire un bisou. Vas-y, on les applaudit encore très fort. Ouais, bien joué, Karen et Nicolas. Ouais. Là, j'ai libéré les otages, hein. Ils ont été super et puis j'avais envie qu'ils voient la fin du spectacle quand même. Par contre, les autres, j'ai deux mots à vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, normalement, vous deviez mettre le paquet et puis vous m'avez mis une brindille. Alors, je vais vous laisser une dernière petite chance. Avec la musique. Avec Audrey. Maintenant! Et on va mettre le P. Et on va mettre le A. Et on va mettre le Q. Et on va mettre le E. Et on va mettre le P. Et on va mettre le A. Et on va mettre le Q.